sera pas tous les jours. Hein. Merci à vous surtout, merci à Eric, à Jean-Marc, à Hélène, à Fabien, à Maurice, à Julien, à Vincent, à tous ceux qui œuvrent tranquillement, patiemment, avec détermination, patience et méthode. Voilà. Finalement, les portes s'ouvrent, en fait. Oui. Avant, vous ne pouvez pas rentrer, là. Là, c'est eux qui nous demandent de venir. Et alors, vraiment, juste avant qu'on commence, l'idée, c'est vraiment de permettre au Conseil de l'Ordre de faire son travail le mieux possible. Oui. Et puis de leur donner, finalement, toute notre confiance. C'est ça. On est en train de recréer de la paix. On est en train de recréer du lien. Et donc, on n'est pas là pour nourrir du conflit. Notre monde, il est pourri de conflits, il est pourri de guerres de partout. L'idée, c'est pas de régler ses comptes. L'idée, c'est de recommencer à parler et que du dissensus, il puisse naître quelque chose d'encore plus beau. Donc, voilà, si on a la chance de les voir sortir du resto, peut-être on les applaudira, quoi. Parce que aucun d'entre nous n'aimerait être à leur place. Tu es venu soutenir Louis Fouché, que tu connais. Tu es praticien en médecine chinoise. Qu'est-ce qui a motivé le fait que tu viennes aujourd'hui à la Tour Méditerranée? Ben, d'abord, le fait de l'avoir suivi pendant ces 2 ans et demi, 3 ans. Et il avait l'intuition que, effectivement, c'était pas très, très clair ce qui se produisait au niveau de ces injections. Et nous, en médecine chinoise, c'était pour nous une évidence, dans le sens où, à partir du moment où on t'injecte quelque chose dont le corps n'a absolument pas l'habitude, il va se mettre tout de suite en retrait. Et la problématique, c'est que petit à petit, on se rend compte à l'heure actuelle de cela, c'est que ça fait effondrer littéralement chez plein de personnes leurs défenses immunitaires. Du coup, toutes les maladies cachées qu'ils pouvaient avoir remontent à la surface. Ce qui m'a motivé, c'est que j'ai trouvé que c'était une personne vraiment engagée pour tous les Français, parce qu'il parle de la médecine d'une manière vraiment empathique. Donc, les autorités qui l'attaquent, comme les autres autorités de santé, sont illégitimes et corrompues pour la plupart, en tout cas gravement corrompues pour une bonne partie d'entre leurs membres, parce que les autorités attaquent les individus qui sont plus fragiles, alors que ces individus représentent l'intérêt général. Il est important que les individus parmi nous, les individualités qui défendent l'intérêt général, soient soutenus par d'autres personnes pour montrer aux autorités que ceux à qui elles s'en prennent ne sont pas seuls. Ce que fait Louis depuis 3 ans est exemplaire. On devrait tous s'en inspirer et faire du mieux qu'on peut dans la même veine. Je suis venue, je vis près de Pontarlier, voilà, et pour moi, c'était sans réflexion longue, c'était spontané. J'ai eu l'élan de venir soutenir Louis et son comparse parce que, voilà, il y a une justice à rendre et elle n'est pas dans le sens où certains voudraient la rendre. Et j'avais vraiment envie d'être solidaire parce qu'il m'a beaucoup apporté, il nous apporte beaucoup. Et voilà, je ne pouvais pas faire autrement que venir le soutenir. Mais c'était important pour moi de pouvoir être là pour Louis, d'être présente, de pouvoir lui apporter tout mon soutien dans le sens où au tout début de cette crise, Louis m'a permis de me dire je ne suis pas folle, il se passe vraiment quelque chose et ça m'a permis en tout cas de me mettre en lien et de me mettre en lien avec beaucoup beaucoup de gens. Donc c'est aussi un merci dans ce sens. Qu'est-ce que tu penses de ce rassemblement populaire où là il y a beaucoup de personnes qui ont pris de leur temps pour venir soutenir Louis, mais derrière Louis, la prise de parole libre? Je pense que c'est quelque chose d'essentiel, que tous les Français devraient être ici, qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions et qui demandent des réponses à l'État, au gouvernement, forcément, puisqu'on vit dans un pays démocratique. Donc on attend des réponses de cette démocratie et on attend des réponses qui pourront aussi soutenir les gens en difficulté par rapport à tout ce qui s'est passé pendant 3 ans. On est beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit. Il y a beaucoup de très très belles personnes qui ont des belles valeurs, des valeurs de liberté, de justice, qui privilégient l'humain au profit, qui privilégient l'humain au matériel, qui sont, on est tous là, je pense, avec ces belles valeurs-là.
Et moi, je suis heureuse d'en faire partie et de, voilà. Que Louis, en fait, a respecté le code de déontologie des médecins. Dans le code de déontologie, il est écrit qu'on ne doit pas faire la promotion d'une substance non suffisamment éprouvée. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, pour moi, il a respecté le code de déontologie. Et aujourd'hui, on lui dit non, vous ne l'avez pas respecté. Et ça, c'est pour moi inadmissible. Parce qu'il a fait son travail de médecin. Hélène Bagnoun, c'est partie du conseil scientifique indépendant. Au même titre que Denis Fouché, de Eric Ménard, qui l'a accompagné dans sa défense auprès de l'ordre des médecins. Est-ce que tu pourrais nous dire ton ressenti à la fois sur la journée et puis l'audience à laquelle tu as assisté? Alors déjà, je remercie tous les gens qui sont mobilisés. Oui, toute l'organisation, voilà, il y a vraiment un élan populaire, ça fait plaisir, quoi. Avec plein de chaleur humaine, c'est vraiment agréable. Et alors, moi, je n'avais jamais assisté à ce genre de procès. Donc, moi, j'ai pris des notes, j'ai à peu près tout noté. J'ai entendu un avocat du Conseil national de l'ordre des médecins qui n'avait pas l'air de croire à ce qu'il disait. D'ailleurs, il affirmait lui-même « je caricature », on a extrait certains propos. Voilà, je trouvais qu'il n'y croyait pas. Ensuite, j'ai entendu la plaidoirie de Maître Héringuez, l'avocat de Louis, qui était vraiment très bonne. Et enfin, en dernier, heureusement, ils ont fait parler Louis. Et là, vraiment, il s'est vraiment très bien défendu. Je pense qu'il a donné vraiment l'idée de ce qu'il était, c'est-à-dire un bon médecin au service de ses patients, au service de l'intérêt public. Voilà. Et alors moi, j'étais en train d'écrire pendant tout le procès, donc je n'ai pas vu la tête des juges. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que les juges avaient l'air beaucoup plus intéressés par l'avocat de Louis et par lui-même que par l'avocat du Conseil de l'Ordre qui n'était pas convaincant du tout. Oui. Alors toi, tu es scientifique. Là, ce qui est questionné un petit peu, c'est le dissensus scientifique. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça, de cette presque obligation de discussion entre scientifiques? Alors voilà, je vais reprendre ce qu'a dit Louis en dernier, c'est-à-dire que le consensus scientifique, ça n'existe pas. C'est juste l'avis de leaders d'opinion qu'ils prennent dans des congrès scientifiques pour que ça reparte vers les confrères médecins, mais ça n'existe pas, le consensus. Il y a toujours un dissensus. Et ce que Louis a souligné, c'est que c'était le dissensus qui était fécond. C'est de là que sortent les nouvelles hypothèses. Et la science, ça se fait comme ça. On confronte la théorie avec les faits, avec l'observation. Et quand c'est en contradiction, on doit modifier la théorie et pas les faits. Voilà, donc c'est du dissensus scientifique, de la discussion qui est interdite depuis 4 ans, que sortent les progrès. Voilà. Un mot sur le Conseil scientifique indépendant, qui en est à presque 120 émissions. Oui. Ce travail de formation en tant que scientifique, d'arriver à les faire collaborer, à cohabiter des voix différentes dans une période aussi tendue, est-ce que ça amène un optimisme sur percevoir la science de manière indépendante et vraiment au service des communs? Ah oui, alors moi je trouve que la science, elle a fait vraiment d'énormes progrès grâce à cette pandémie finalement, puisque par exemple, enfin, moi mes domaines que j'étudie le plus, virologie, évolution, c'est incroyable. On a suivi un virus évoluer depuis le début, enfin depuis son émergence, on n'avait jamais fait ça avant. Donc il y a d'énormes progrès qui ont été faits. Après, il faut les exploiter, il ne faut pas les enterrer sous la poussière. Parce que dans les publications scientifiques, il y a énormément de choses, mais elles ne sont pas reprises par les autorités, malheureusement. Voilà, c'est ça. Okay, merci Hélène. Juste une dernière demande, que tu t'adresses à la caméra pour laisser un message personnel à Louis. Un message personnel à Louis, merci Louis, parce que moi j'ai rencontré Louis donc, en octobre 2020, pendant le confinement. J'habite à moins d'un kilomètre de la Conception. Et donc, on a discuté pendant une heure. Et là, on a vu qu'on avait vraiment un point d'accord. Et voilà, merci Louis d'avoir mis en jeu sa carrière, la tranquillité de sa vie familiale, privée, pour le bien de millions de personnes. Voilà, ça, et vraiment, Louis, c'est un héros, quoi. Il fait partie des héros que sont les médecins qui se sont opposés à la politique sanitaire et qui ont mis en jeu leur carrière. Pour moi, ce sont les vrais héros de cette crise. En espérant qu'on puisse faire aujourd'hui, parce que c'est aussi le thème de la journée, d'une journée de prise de conscience des effets indésirables, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, hélas, souffrent de ces effets-là. On a vu, on sait parmi les différents qu'il y a énormément de problèmes de cycle chez les femmes. Il y a des problèmes d'acouphènes absolument énormes, des myocardites qui arrivent avec des statistiques aberrantes, notamment chez les jeunes. Des problèmes de cécité également qui sont tout à fait impressionnants. L'ONIAM, vous savez, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, aujourd'hui a déjà indemnisé plus d'une centaine, environ une centaine de personnes.
On espère que c'est qu'un début dans le sens de la justice. Hélas, ça veut dire que beaucoup de personnes sont victimes de ces effets indésirables. Mais il ne faut absolument pas qu'elles soient dans le déni. Il faut aujourd'hui que les médecins tous prennent conscience de ce problème de santé publique qui a touché officiellement des centaines de milliers de personnes. Mais on sait très bien qu'avec les effets de sous-déclaration, c'est en fait des millions de personnes qui sont touchées aujourd'hui en France. Certains ne font même pas le lien parfois avec la vaccination. Louis Fouché et Aminu Mil sont vraiment deux grandes figures qui ont fait vivre et qui continuent à faire vivre la démocratie sanitaire. Et je crois qu'on peut leur rendre hommage. Et j'espère que le Conseil de l'Ordre retiendra en fait cette position et les arguments de droit donnés par l'avocat qui fait que de toute façon, les articles visés manifestement par le Conseil national de l'Ordre n'ont pas d'efficience dans le cadre de ce qui s'est passé avec Louis Fouché. Donc voilà, je vous remercie à tous d'être venus. Et je crois que Louis a dû, j'espère qu'il est là maintenant et qu'il est prêt à vous parler parce que ça a été une épreuve et je trouve que effectivement les propos qui ont été tenus ont quelque part une portée historique et j'espère qu'il pourra vous en parler. Ça y est, on peut faire la fête. Ah bah merci beaucoup d'être là, ça a donné beaucoup de force. Il y avait beaucoup de lettres aussi là au Conseil de l'Ordre et les gens du Conseil de l'Ordre ont dit bah, on n'avait jamais vu ça. Donc elles étaient comme avec des friandises, elles ont sorti les lettres en disant waouh, on l'a montré au magistrat qui était un peu impressionné. Et ça c'est grâce à vous quoi, parce que sans vous, voilà, tout seul on n'est rien quoi. Merci hein. Donc bah voilà, peut-être vous allez me demander si ça s'est bien ou mal passé. En fait, ça s'est passé. Voilà. Ça s'est passé. Maître Ringuez peut avoir une ovation, c'est mon avocat. Et... Et un grand merci, un immense merci à tous ceux qui étaient derrière. Parce que même si on est tourné qu'au début on a le cœur qui bat vite, eh ben on sent que derrière il y a des gens qui sont là et qui voilà, vous accompagnent pour vous apprendre à marcher. Et c'est comme un bébé qui se lève quoi. Donc ben voilà, je suis debout. J'avais prévu normalement de lire le poème If de Kipling. Évidemment je l'ai oublié donc j'aurais dû l'apprendre par cœur. Mais voilà, si tout ce que dit Kipling, bah, tu seras un homme mon fils quoi. Et puis, un immense merci au docteur Ménard, à Jean-Marc Sabatier, à Hélène Banoun, à tous ceux que j'oublie, et, voilà, à ceux qui sont venus de Nantes. Et puis aussi une grande pensée pour tous les autres médecins et pharmaciens qui sont inquiétés. Amine, ce matin. Et quelqu'un d'exemplaire qui a toujours cherché à protéger les citoyens, à permettre de comprendre les enjeux de pharmacovigilance. Et bah, j'espère que c'est bien passé pour lui, j'ai pas de nouvelles pour le moment. Mais il m'apparaît au fur et à mesure du temps que quand on vient être jugé, c'est pas à nous de juger et de faire le procès en face. On vient essayer d'ouvrir une porte de discussion. Et au fond, c'est une chance là de pouvoir monter dans la grande tour d'ivoire où bah, normalement il n'y a rien, il n'y a pas d'endroit où on peut monter, on ne sait même pas où c'est Brésil. Ben là, enfin, on peut rencontrer des humains. Et là, aujourd'hui, je crois qu'on a rencontré des humains. Pas juste des toges, pas juste des fonctions. Et c'est mon espoir que ben, plus on travaille à aller gratter cette humanité, plus on ouvre des pistes de réconciliation et d'essayer de faire un monde meilleur ensemble. C'est pas une utopie. C'est quelque chose qui, à mon avis, est le seul chemin dans ce moment où notre société, elle n'est que peur, que guerre, que prise de position pour ou contre. OK, et si on se rencontrait ? Bon, je vous cache pas que ça détend de sortir, plus que de rentrer, et que bon, ça donne envie de boire un coup, quoi. Mais bien sûr, un médecin ne peut pas vous recommander de boire, hein, je dis ça aux caméras. Un immense merci à vous, encore une fois. Sans vous, il se passe rien, et sans vous, il se passera rien. Et donc, c'est dans la suite qu'on est en train de reconquérir doucement la démocratie, et une démocratie sanitaire. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on vient d'enfoncer un coin dans l'institution, pour réouvrir la porte, mettre le pied et lui permettre de se transformer et d'accepter une sorte de fécondation par le réel. Merci. Voilà. Merci.
Oui, nous sommes attendus au parc du 26e du parce qu'il y a le reste du nous, il est là-bas déjà. Tout son parc alors. Oui, oui, je voudrais juste dire merci d'être venu. On y va. On y va. C'est dans la contestation et pas dans la division, c'est ça l'important. C'est d'être dans la contestation parce que ce qu'on vit, c'est absolument horrible, mais d'être toujours dans l'union et donc dans la discussion. C'est ça qui nous manque. Merci. Bravo, merci. Nous allons tous au parc du 26e bicentenaire. Aujourd'hui, les structures institutionnelles sont en train de partir en morceaux. Et il y a plein de petits médias qui voient le jour et qui permettent de témoigner un peu du réel. Donc là, aujourd'hui, vous ne voyez pas France 3, pas BFM, pas Le Figaro. Pourtant, il y aura probablement des articles. Hein. Mais toi, tu viens, Jonathan y vient, les gens viennent, etc. Viennent témoigner du réel. On va tous démontrer d'ailleurs. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de témoigner de ce qui se passe pour de vrai dans la vraie vie. Et de permettre aux institutions de se transformer. Parce que si elles acceptent pas de se transformer, en fait, elles vont se déliter, quoi. Elles vont partir en morceaux. Et ça, c'est probablement pas souhaitable. Parce que on a besoin d'institutions, on a besoin de médias, on a besoin de gens qui gèrent la santé, etc. Maintenant, on est à un moment où elles peuvent se transformer et devenir quelque chose qui est au service du bien commun. Mais ça dépend que de nous. Et ça, c'est une grande chance. Et au fond, c'est dans nos mains. Alors là, aujourd'hui, ils vont faire un jugement, c'est dans leurs mains. Ok. Moi, j'ai... Ils m'ont donné la parole. Après, c'est eux qui l'assumeront le reste de leur vie, etc. Et ben voilà, on remet chacun face à ses responsabilités. Moi, mon premier réflexe quand il y a eu la commission disciplinaire, c'est de dire mais j'ai dit de la merde, j'ai été véhément, j'ai essayé de dézinguer le système, etc. Et donc je me suis retapé des vidéos pour le... Faut se retaper du coucher pendant des heures pour savoir, parce que le CNOM avait pris des petits morceaux pour dire regardez, là il dit ça, etc. Mais dès qu'on remettait dans le contexte, non, il y avait toujours une balance, une espèce de mesure, etc. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui va me protéger et qui va protéger tous les gens qui parlent et qui essayent de changer les choses. C'est de garder de la mesure, de se dire on essaye d'être prudent, d'être intelligent avec le courage. Foncer sabre clair en disant on va tous vous dézinguer, c'est sûr que ça marchera pas. Par contre, doucement, doucement, essayer de remettre du lien, ça, à mon avis, c'est inarrêtable. Et donc, on va pas s'arrêter. Excellent, bah bravo et merci encore pour tout ce que tu as fait. Merci. Ouais, merci beaucoup. Alors un petit mot juste pour dire qu'aujourd'hui, ouais, le prétexte c'est la chambre disciplinaire de première instance. Bah, en vrai, on s'en fout. Enfin, voilà. Bah, je dormirai bien ce soir. Et voilà. Et en attendant la décision qui viendra dans une ou deux semaines, ou peut-être plus. Donc il y a un peu de vacances, même si. Et au fond, le fait de devoir travailler pour les dossiers de la commission disciplinaire nous a forcé à mettre en forme au niveau scientifique, au niveau rhétorique, les arguments. Les arguments sur la question des vaccins, sur la question des confinements, sur la question des masques, sur la question de la politique sanitaire. Et c'est une chance parce que s'ils ne nous avaient pas forcé à le faire, nous on aurait continué à dire bon ça va pas, mais on ne se serait pas emmerdé à essayer de poser un truc bien clair qui soit audible pour eux et donc pour le grand public qui a mordu au système. Donc en fait, merci. Hein. Grâce à vous, on a bien bossé et on va continuer de bien bosser, notamment Carole que vous pouvez ovationner parce que c'est elle la tête, le cerveau de la bande. Hein. Enfin, comme d'hab, c'est les femmes, le cerveau de la bande. Ouais, c'est un peu démagogique, mais je le pense vraiment. Hein. Moi, je suis les jambes, elle, c'est la tête, quoi. Et donc, il y a cette idée de mise en forme, petit à petit, de l'information pour qu'elle soit acceptable et d'accepter que ça va être un chemin de guérison, comme dans le soin. Vous dites pas à quelqu'un, va y avoir une pilule magique, on va tout changer demain, élisez-moi et ce sera bon. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un chemin progressif de prise de conscience de pourquoi on est malade, de pourquoi ça va pas bien. Et là, c'est pareil pour notre système. Si vous arrivez et que vous dites à des gens qu'on vacciné leur famille, qu'on vacciné leur conjoint, leurs enfants, c'est de la merde, t'es un abruti, t'aurais dû comprendre dès le début, c'est inacceptable. Et il va chercher à vous détruire. Donc faut baliser un chemin de guérison où ils puissent se rendre compte. L'objectif stratégique, c'est le retrait du marché des vaccins à ARN. Ok, là on reste de manière très claire sur le champ sanitaire là-dessus. Et l'autre objectif, c'est la reconnaissance des victimes des effets secondaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ils ont perdu leur fils, ils ont perdu leur fille, ils sont malades, ils ont des gens malades autour d'eux, ils ont des cancers qui se sont réactivés, ils ont fait des thromboses. Et tout le monde s'en fout. C'est inacceptable pour un soignant comme pour une société. Celui qui va mal, on doit prendre soin de lui et serrer les coudes entre frères et sœurs humains. On est programmé pour ça. Si on ne le fait pas, on devient fou. Et donc nous, on va rester sain d'esprit et prendre soin de ceux qui ne vont pas bien. Et les amener doucement, bah, peut-être guérir, ça dépendra d'eux. Nous, on fera tout ce qu'on peut. Et donc, aujourd'hui, il va y avoir la création symbolique du collectif
les enfants d'Hippocrate, on fait un petit pied de nez, voilà, à la déontologie, les enfants d'Hippocrate qui se réclament de cet héritage-là, et ce collectif, il sera pour des thérapeutiques sûres et efficaces. Sous-entendu, on va dézinguer toutes les thérapeutiques de merde qu'on essaye de nous fourguer, qui sont toxiques et qui marchent pas. Ok ? Ouais. Et là, je peux vous assurer qu'on en a pour une vie entière. Au boulot ! Ouais, bravo. Tout à l'heure, j'avais le cœur qui tremblait un petit peu là dans la salle d'audience, je vous le cache pas. Hein. Ils sont tous en toge, tout ça, c'est assez impressionnant. Et c'est d'abord les avocats qui ont parlé, donc là ils ont échangé leur truc d'avocat, voilà. Et elle disait, mais de quoi on est en train de parler? De quoi on parle? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi même il y a une commission disciplinaire? Pourquoi on n'est pas assis autour d'une table ensemble en train de discuter, mais quel est... le débriefing qu'on pourrait faire de la politique sanitaire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de constructif sur ce qui s'est passé plutôt que d'essayer de faire taire, de taper sur toutes les têtes qui dépassent? Qu'est-ce que c'est que cette société qui ne tolère plus le dissensus et la contradiction? Et je peux vous en témoigner, c'est que la réalité pratique de ce qui s'est passé là-haut, c'est que l'avocat du CNOM bégayait, qu'il n'y avait pas de médecin du CNOM, du Conseil National de l'Ordre, ils ne sont pas venus. Et que par contre, les gens du CROM, ils étaient là, les gens du conseil départemental, les individus, ils étaient là, ils étaient émus même de ce qui se passait. Les gens du conseil de l'ordre m'ont montré toutes les cartes et les lettres qu'ils ont reçues de remerciements, de soutien. Et pour eux, c'était comme des bonbons. Vous imaginez Ils reçoivent des lettres qui parlent de plaintes, qui parlent de commissions disciplinaires, qui parle de châtier, de cancer, de remettre au pas. Et là, peut-être pour la première fois dans leur carrière, ils ont reçu des cartes avec des cœurs, des cartes avec des fleurs, des cartes avec des remerciements, en disant que vous êtes important. Votre décision, elle doit être importante ce jour-là. Vous êtes responsable. On compte sur vous. On a besoin de vous. Et ça, c'était très touchant à voir. Parce que juste après, ils m'ont dit, on va le montrer au magistrat. Parce qu'il y a un magistrat, vous savez. Et c'est pareil, le magistrat, je suis pas tellement sûr qu'il voit souvent des lettres de remerciement et de bienveillance dans son travail. Et on est nombreux, au fond, à voir dans notre travail, à côtoyer plutôt de la violence, plutôt de la séparation, plutôt de la division. Bah là, je peux vous dire que on leur a fait leur journée. Et ça, c'est grâce à vous. Donc un grand, grand, grand merci à vous. Alors, c'est plutôt pour vous, les applaudissements. Ce jour-là, je pense, est le début d'autre chose. Le début de « on arrête de taper sur les médecins ». Je peux vous assurer que l'avocat du CNOM bégayait et avait honte de ce qu'il était en train de faire. Et ça valide complètement, en médecine on dit « proof of concept », vous savez, c'est preuve de concept. Ça valide complètement qu'une posture prudente, qui toujours essaie de trouver le bien de l'adversaire, qui toujours essaie de voir sa beauté, et essaie de l'aider au fond à avancer sur son chemin de vie, et puis prend les leçons pour lui-même, surtout au passage. Ce que tu me montres en miroir, peut-être c'est ce que je veux pas. Merci, tu m'aides à me transformer. Je veux pas de mensonges, je veux pas de tricherie, je veux pas des décisions arbitraires, je veux pas de la fausse science relatée. Je veux pas des laboratoires pharmaceutiques qui prennent des décisions publiques. Je veux une intégrité de la décision publique. Que les gens qui sont en charge, soit administrativement, soit qu'ils soient élus, aient un contre-pouvoir. Qu'ils aient une façon de les borner. Et là, quand vous regardez ça, vous dites, mais en fait, c'est nous.
C'est nous le contre-pouvoir. C'est personne d'autre. C'est pas eux tout seuls, au fond du tour d'ivoire, à Paris ou ailleurs, qui vont décider de se donner des limites. C'est à nous de leur mettre. Et ce travail-là, de mettre des limites à nos institutions, il se fait en douceur. Vous avez vu que M. Rousseau nous a dit qu'il n'y a pas d'effet secondaire. C'est extrêmement choquant. C'est extrêmement choquant. Parce que ça veut dire qu'il n'a aucun feedback de réel. Il n'a aucun retour de la réalité. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, on crée les enfants d'Hippocrate. Bon, c'est un petit pied de nez, on va croire. Un collectif pour des thérapeutiques sûres et efficaces. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un système diplomatique. C'est d'un coup les victimes d'effets secondaires, les scientifiques, les citoyens, les médecins, les institutions vont se mettre à se reparler les uns les autres. On va se réasseoir à une table de négociation. Mais il faut encore qu'ils veuillent bien venir à la table de négociation et qu'on leur expose les données scientifiques, les retours de terrain des victimes d'effets secondaires, la réalité de ce qui se passe. Parce que pour le moment, la plupart d'entre eux veulent rester dans leur tour d'ivoire. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur des sanctions pénales, de tout ce qu'ils ont fait. Ils ont peur d'admettre qu'ils se sont trompés vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis des citoyens, etc. Et donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on arrive à débloquer ça, à débloquer ça, à être comme s'il y avait un cliquet et qu'on essayait de l'ouvrir. Ben ça, c'est le travail des citoyens. C'est pas un scientifique, même s'il va sur Twitter, qui va le faire. C'est pas une victime d'effets secondaires, même si elle va sur Twitter, qui va le faire. C'est nous, ensemble, si on va à la rencontre de toutes ces institutions qui devront ouvrir la porte. Comment on ouvre la porte? On peut s'enchaîner au radiateur de la secrétaire. Ça marche. Il y a des activistes qui le font. Hein. Au bout d'un moment, la secrétaire fait « Bon, il faut partir, monsieur, je suis bourré. Je ne peux pas vous enfermer dans le bureau, ça. » Je suis enchaîné, là, j'ai mis ma manette sur le radiateur. Je ne pars pas, quoi, jusqu'à ce que vous m'ayez reçu. Bon, ça marche, mais c'est pas... il y a peut-être plus tout. Il y a peut-être plus... À partir du moment où on se coordonne, on a une force absolument extraordinaire. Imaginez que juste nous, là, pas plus que ça, juste nous, on envoie le dossier technique sur les effets secondaires à l'ARS, en leur disant maintenant vous nous recevez. Ils le reçoivent, je ne sais pas, 100 fois, je ne sais pas combien on est, peut-être 150 fois, 200 fois, 300 fois. Ils le reçoivent 300 fois par email, ils le reçoivent 300 fois par accusé réception. Il y a au moins 10-15 personnes qui viennent toutes les semaines, une personne par semaine, mais pendant 15 semaines d'affilée, en déposant le dossier, en disant voilà, c'est un huissier qui est avec moi, on dépose, en se filmant en même temps, en disant voilà, maintenant je le passe sur les réseaux sociaux, etc. Je le mets sur Internet jusqu'à ce que vous me receviez pour discuter. La personne en face, elle ne peut pas faire autrement que vous recevoir. Et donc là, c'est le travail. Là, c'est le travail de reconquête progressive, de travail lent, patient, méthodique, pour re-rentrer dans les institutions. Vous ne pourrez pas faire un contre-ordre, un désordre à la place de l'ordre. Vous ne pourrez pas faire un ministère de la Santé à la place du ministère de la Santé. Vous pourrez pas. Non, la seule chose que vous pouvez faire, c'est mettre un pied dans la porte et réouvrir la discussion et les inviter à se transformer. Ça, c'est un jalon. C'est un jalon parce que si vous leur dites, ouvrez une discussion pluridisciplinaire contradictoire. Aidez-nous à faire retirer du marché ces produits. Aidez-nous à faire reconnaître les victimes d'effets secondaires. Aidez-nous à mettre en place de l'aspect écologique, des traitements efficaces qui marchent sur ces gens. On en a plein. Jean-Marc pourra en parler s'il est là. Jean-Marc Sabatier. On a plein de choses à faire pour les gens qui souffrent d'une espèce de spicopathie chronique. Un grand merci et puis je passe la parole à Vincent. Et vraiment, alors, merci à tous. Alors, juste un dernier mot, Vincent, Vincent Lacarbe. Mais j'ai reçu une quantité de soutien depuis la déclaration de cette commission disciplinaire que je n'étais même pas capable de répondre à tous les mails, à tous les messages. Alors, en plus, j'ai un téléphone vraiment merdique. Pour faire un SMS, le tout neuf, c'est insupportable. Donc, je n'arrive pas à faire des SMS. Et en plus, j'ai tellement répondu que j'ai plus de forfait. Moi, j'ai que 2 heures de forfait. Donc là, autant vous dire que le 12 du mois, c'était terminé, quoi. Donc là, je peux plus faire d'appels. Je peux plus recevoir des appels. Bon. Peut-être faire un jour que je change de forfait. Et tout ça pour vous dire que, y a des gens qui se sont mis ensemble et qui ont reçu des mails de soutien
des CERFAT témoignages en soutien à moi. Moi, je suis bien prétexte, encore une fois. Et qui sont restés jusqu'à 4h, 5h du matin pour les dépioter, pour les assembler, pour les mettre en PDF, pour permettre qu'ils soient prêts, pour que pour la commission disciplinaire, on puisse les envoyer dans les temps de l'instruction. Et ça, moi, je ne sais même pas comment témoigner de ma gratitude. J'ai appris très tôt que je n'avais pas le droit de pleurer. Donc maintenant, je suis incapable de pleurer. Il paraît que c'est pas bon pour la santé, mais bon, c'est ça. Par contre, je suis capable de rigoler, de dire « Waouh, qu'est-ce que c'est chouette !» Qu'est-ce que c'est chouette quand des humains se soutiennent les uns les autres. Qu'est-ce que ça donne de l'énergie. On est invincible, on est inarrêtable. Et personne ne nous arrêtera. On veut tous une vie tombée en lui, parce que si effectivement un jour il n'avait pas pris sa caméra, qu'on dit, oh, vous savez, l'intubation c'est de la merde, il faut peut-être faire autre chose avec dans les réacs, il faut intuber les gens qui meurent entre 20 et 50%, on va pas y arriver. Et puis là est née l'oxygénothérapie, qui était effectivement quelque chose qui a été discuté entre les différents réanimateurs, en disant, mais ça marche, et effectivement ça marchait. Et depuis ce jour-là, et un jour il m'a appelé, il m'a dit, je suis en train de monter un truc, ça s'appelle Rien Faux Covid, tu veux pas venir et tout. Je sais pas le mec, hein. Il m'a dit qu'il voulait faire la dernière écriture, etc. Et j'ai dit, ok, c'est bon, j'y vais. Et depuis, effectivement, on n'a pas arrêté, simplement parce qu'on a considéré qu'on avait des choses à dire, que c'était notre devoir. Et aujourd'hui, notre devoir, c'est de faire en sorte que ces effets indésirables de vaccins, qui sont massifs, qui sont devenus finalement le premier problème de santé publique, je crois, aujourd'hui en France, ne soient plus ignorés, de sorte que les gens qui souffrent puissent être soignés comme il le faut, reconnus dans leurs effets indésirables. Il faut que les gens comme René Rousseau soient effectivement condamnés par la justice pour l'extorsion au consentement libre et éclairé qu'ils organisent en niant ces effets indésirables. Il y a ici sur la table des photos de jeunes gens décédés après la vaccination. Il y a Sonia qui est là aujourd'hui. Sonia, c'est la marraine de Sophia. Vous savez, Sophia, c'est cette jeune fille qui est morte parce qu'elle devait faire un stage dans la petite enfance, c'était en 2021. Et puis on lui dit, ouais, ton stage, ouais, mais par contre, il faut que tu te fasses vacciner. Puis elle est morte après d'une thrombose, d'une embolie pulmonaire. Et effectivement, comme l'a rappelé Louis, il y a aussi Maxime Bertrand, il y a Mousseau, il y a Antonio Rio. Et il y a des tas et des tas de jeunes qui sont morts, qui sont partis beaucoup trop tôt. Pour ne pas vous parler des problèmes de cycle qu'a dénoncé les différents, les acouphènes qui explosent, comme vous pouvez voir sur le témoignage sur les réseaux sociaux, les cécités qui ont touché également de nombreuses personnes, et tout ça dans un déni absolu. Et aujourd'hui, il y a besoin d'une forme d'union sacrée autour de ce problème des effets indésirables pour que les médecins prennent conscience, ne soient pas eux-mêmes dans le déni, pour qu'ils puissent échanger entre eux si l'un ou l'autre trouve des traitements efficaces, qu'on en apprenne un peu plus sur la spikeopathie. Effectivement, Louis a rappelé que Jean-Marc Sabatier avait été un de ceux qui, en France et dans le monde, étaient les mieux informés et avaient le plus de choses à dire, et ça nous aide à comprendre ce qui se passe sur l'agression de la spike, notamment vis-à-vis du système immunitaire. Et il faut absolument que ce soit pris au sérieux par eh bien, les autorités, par les médecins, et comme l'a très bien dit Louis, au fond, aujourd'hui, ce qui s'est passé au Conseil de l'Ordre, finalement, c'était une manière de dire, ok, il faut maintenant se parler, il faut arrêter de s'envoyer des anathèmes, de dire, ouais, t'es un complotiste, parce que dans ta vie, dans le hold-up, de toute façon, c'était vrai que non, vous n'avez rien compris, etc., parce qu'il n'y aura rien si les médecins ne s'y mettent pas tous en même temps, et si un certain nombre restent dans le déni. Donc le Conseil de l'Ordre, effectivement, a un rôle à jouer là-dedans, pour faire en sorte que soient pris en charge ceux qui ont besoin de l'être. Et c'était un peu, au fond, le sens de cette journée, le message également que voulait faire passer Louis. Sans rien vous cacher, et parce que, comme l'a dit Louis, en 3 ans, je pense quand même que tout le travail des associations, bien sûr, Rien Faux Covid, Rien Faux Liberté, tous les autres, Vérité France, on pense à eux, les masques blancs, collectif de santé pédiatrique, toutes les associations de psychologues qui sont intéressés aux enfants, qui ont particulièrement dégusté pendant cette période. Et à plusieurs reprises, le Conseil national avait fait des signalements contre le docteur Louis Fouché, et le Conseil départemental de Marseille a dit oh, non, non, on ne voit pas manière à poursuivre. Donc, de rage, j'ai envie de vous dire, le Conseil national a fini par porter plainte lui-même.
Mais aujourd'hui, curieusement, il n'y avait personne du Conseil national de l'ordre, nous a-t-on dit. Ils avaient séminaire. Et alors là, l'avocat qui les représentait dit, bah, d'habitude, ils sont là, mais alors là, ils ont séminaire, ils ont ici, en fait, vous pouvez pas dire, ouais. Et très honnêtement, moi j'ai senti un peu dépressif cet avocat du Conseil national à répéter que l'ivermectine c'était un remède de cheval, que la chloroquine ça tuait ceux qui les prenaient, etc. etc. Le vieux narratif de 2020, vous savez, et on sentait que lui-même n'y croyait plus finalement. Et derrière cette absence de conviction, moi j'ai eu l'impression de comprendre que eh bien, ce travail des associations sur la parole scientifique, comme on a pu le faire avec le Conseil scientifique indépendant, sur les victimes, comme peuvent le faire Vérité France ou Hémoncycle, donc mais différents, sur le travail également juridique, comme Bon Sens et Xavier Zabert, parce que vous savez que Xavier Zabert et Christian Bérand ont porté plainte devant la CIGR contre Robert Rousseau, donc pour l'extorsion au consentement. Rebonjour. Je ne me présente pas, vous me connaissez maintenant. Voilà, je suis en relation avec le Conseil scientifique indépendant. D'ailleurs, je les remercie parce que depuis l'aventure de Sophia, ils sont toujours à mes côtés. Je voulais vous parler aussi qu'il y a pas mal de victimes. Alors, dans le groupe des parents où je suis, on a deux personnes qui ont été reconnues pour le moment. On a le petit Anthony Rio, 6e année de médecine, 3 injections AstraZeneca. Malheureusement, il a été victime. Il a été reconnu. Donc c'est déjà une avancée pour nous. Et on a aussi Michel Musso, sa fille Eva, qui est décédée. Pareil, le lien a été fait avec le vaccin Pfizer. Donc c'est le premier cas de décès de Pfizer. Malheureusement, ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'on lui demande une deuxième expertise. Alors on espère qu'on va y arriver aussi. On a une forte pensée pour nos victimes. Et si aujourd'hui, moi je suis sur le terrain depuis 2 ans, je ne lâche pas. Je voulais remercier tout le monde. N'oubliez pas qu'on a des personnes qui sont victimes. Et rien que pour eux, pour leur mémoire, il faut continuer à se battre. Merci à tous. Merci Sonia. Je suis venue aussi aujourd'hui soutenir Louis dans son épreuve, comme nous avons soutenu de nombreux médecins qui ont été attaqués par leurs ordres, soit par des prises de parole, par des prescriptions dans toute la France. Et aujourd'hui, il est important en effet de se mobiliser pour continuer à accompagner tous ces professionnels de la santé qui sont en train d'être attaqués, comme oui aujourd'hui, parce que c'est une déferlante en fait, on le voit dans toute la France, et continuer à encourager tous les professionnels qui reprennent le travail. C'est des gens qui sont encore en situation pour certains de précarité. Donc le syndicat continue à se mobiliser pour tous ces professionnels et mène aussi aujourd'hui une action spéciale dont je vous parle, vous en avez peut-être entendu parler, qui s'appelle les 9 bonimenteurs. Et aujourd'hui, j'ai été très émue d'être présente à l'audience de Louis parce qu'on voyait bien qu'il y avait cet effet miroir entre la plaidoirie de l'avocat du Conseil national qui a porté plainte contre les prises de parole de Louis et les médecins de plateau, qui étaient eux aussi tenus à un code de déontologie, qui eux aussi ne devaient pas faire preuve de charlatanisme, qui eux aussi devaient faire attention quand ils parlaient de traitements qui n'étaient pas suffisamment éprouvés comme les injections. Donc aujourd'hui, nous menons cette action aussi pour que ces médecins mesurent leurs paroles et que les médecins en miroir, ceux qui ont révélé, ceux qui ont réinformé, soient mis en lumière. Voilà, merci de nous soutenir. Bonne journée à vous tous et merci pour cette mobilisation. Merci Louis. Merci. Je dois beaucoup à Louis. Moi aussi, il m'a permis de découvrir tout un monde de résistance, de courage, d'héroïsme. Et donc je voudrais juste prendre du recul sur les institutions où je travaille, sur les abus de pouvoir depuis 20 ans, sur notre rôle dans les abus de pouvoir, dans le fait que si nous voulons nous protéger des pouvoirs abusifs, il faut qu'on s'occupe nous-mêmes d'écrire les limites des pouvoirs, et que si on attend que les pouvoirs écrivent eux-mêmes les limites, ce qu'on fait en ce moment, quand nous acceptons d'élire une assemblée constituante,
nous acceptons que ce soit les élus qui écrivent les limites, les règles du pouvoir et donc les limites des élus. Et on s'étonne ensuite que ça n'arrive pas, que les élus n'ont pas de limites et qu'en fait ils peuvent abuser du pouvoir sans arrêt. C'est pas étonnant. Ici comme ailleurs, je pense que les pouvoirs sanitaires auraient besoin d'être limités et nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Si nous attendons que les pouvoirs s'autolimitent, on va attendre longtemps et on va se plaindre sans arrêt des abus de pouvoir. Nous sommes co-responsables des abus de pouvoir que nous subissons aujourd'hui. Notamment, depuis 3 ans, je travaille donc sur la corruption des pouvoirs médicaux et de la science médicale, des autorités de santé, et je m'aperçois qu'ils sont plus riches que les marchands d'armes, plus riches que les marchands de pétrole, hein, les marchands de médicaments. Et donc, il a suffi à l'industrie pharmaceutique de corrompre les médecins les plus connus, les plus capés, les plus reconnus. Il leur a suffi d'investir les autorités de contrôle comme la FDA, le CDC ou les autorités de tous les grands pays pour emporter avec eux le consensus de tous les médecins. Les antivax se donnent un mal de chien à prouver scientifiquement ce qu'ils prétendent. Et en face, alors je ne vous ai pas amené, je ne pensais pas en parler, mais en face, vous avez des bouquins qui défendent les vaccins, comme par exemple, j'ai reçu « Vaccins, pourquoi ils sont indispensables » de Sansonetti. Alors il paraît que c'est une référence internationale, professeur au Collège de France, un grand bonhomme, hein, et qui nous écrit chez Odile Jacob, une revue scientifique, hein, une maison d'édition scientifique. Et je commence à feuilleter, donc je le commande bien sûr, moi je cherche à savoir les tenants et les aboutissants, donc tous les points de vue. Et dedans je feuillette, il n'y a pas une note, c'est incroyable, il n'y a pas une note en fait, il nous raconte un roman, une religion, quoi, hein, et il n'y a pas une note scientifique. Donc je dois à Louis le fait d'avoir creusé cette question. Les vaccins, ben, on savait déjà, tous les experts des vaccins coronavirus savaient que les vaccins coronavirus ça ne fonctionne pas, et qu'en plus ça facilite et ça aggrave les infections. Alors ils l'ont tous dit en mars 2020, mais ensuite ils ont tous retourné leur veste, parce qu'on a dû les payer ou les ramasser. Ensuite, on savait déjà que le virus mutait, et en particulier le coronavirus, donc ils nous ont dit jusqu'au mois de... jusqu'à la fin 2020, ça ne mutait pas, ben ça c'est pas vrai. Tout le monde était d'accord là-dessus. En octobre 2020, la FDA et le CDC, donc les autorités de régulation américaines, ont publié la liste des effets indésirables que ces vaccins avaient à surveiller. Ils les connaissaient d'après les essais cliniques. Et bien dans cette liste, en octobre 2020, donc avant qu'on commercialise, il y avait tous les effets indésirables, presque tous ceux qu'on connaît maintenant, qui sont avérés. Voilà. Merci. Et donc, ces médecins allemands, avec le professeur Sochani Plakti, avec Kai Klaproth, un médecin également, et Heinrich Reichner, ont proposé à ce que Sonia vienne en Allemagne, mais ils ont besoin des échantillons prélevés au moment de l'autopsie. Les familles y ont droit, sachez-le. Donc avec ça, ils peuvent déterminer si oui ou non c'est dû au vaccin. Vaccin, à l'injection. Donc ils sont prêts à les recevoir en Allemagne et je trouve que vraiment, ça me tenait à cœur, c'est en train de se faire. Il y a une coopération franco-allemande qui se fait. Et je dois dire merci à Andrea qui a mis ça en place avec Verne. Je ne suis que la petite main. Et je suis marseillaise d'adoption depuis 38 ans. Et donc, je suis là avec vous aujourd'hui. J'ai la chance de vous parler de tout ça. Et j'espère que vous serez plusieurs à saisir cette information pour vos proches que vous avez peut-être perdu. Et bonne chance à tout le monde et bonne coopération franco-allemande. Je nous la souhaite, nous sommes à ça. Aujourd'hui, c'est positif. Merci. Imaginez juste une seconde que le même conseil de l'ordre, pendant plusieurs mois d'affilée, reçoit des lettres toutes les semaines, leur rappelant leur mission principale, la raison d'être, pourquoi ils sont là, à quoi ils servent. De beau, de chouette, avec des cœurs, avec des fleurs, on va parler tout à l'heure. Imaginez que peut-être leur semaine en serait transformée, que leur vie en serait transformée, qu'ils se souviendraient effectivement pourquoi ils sont là, et qu'ils se réattelleraient à la tâche pour un grand nombre d'entre eux. Alors c'est l'espoir des enfants d'Hippocrate, sans être un bisounours, sans être béni oui-oui, c'est d'aller
ouvrir ce possible-là, ouvrir le possible que nos institutions puissent servir ce pour quoi elles avaient été faites au départ, nous aider à vivre ensemble, pas nous pomper notre pognon, notre énergie et notre santé. Et comme on n'est pas des bisounours, on sait qu'on est dans un monde de rapport de force. Et je peux vous assurer qu'en fait, il y a tellement de travail que probablement, on ne va pas du tout s'ennuyer. Que si vous vous demandiez ce que vous alliez faire, de vos soirées, de vos week-ends, ben en fait, c'est bon. Vous avez une vie bien remplie. Ah oui, c'est ça. C'est ça, la liberté. La liberté, personne n'a dit que c'était confortable. La paix, personne n'a dit que c'était facile. Le travail de la résistance, personne n'a dit que ce serait une promenade de santé. Et c'est ça la vie. Et c'est une chance. Vanessa, tu as aidé à l'organisation de cette journée depuis le début pour deux aspects, la logistique, la technique, qui avait notamment dans ce parc-là, mais également pour la collecte, le tri et la compilation des CERFA, parce qu'il y a eu plusieurs centaines de CERFA qui ont été envoyés. Je crois qu'il y a une petite équipe qui s'est montée de 10 personnes, facile. On est 13, on a monté une équipe de 13 personnes. Et ça fait maintenant, je crois que ça fait 3 semaines qu'on y est. Ça a commencé le 21, il me semble. Et c'est du 24 sur 24. Il y en a qui se couchent à 5h du matin. Moi, je suis une nepto, donc je prends la relève. Parce que on est à 5000 et quelques. Mais c'est des pièces détachées, on est obligé de tout fusionner pour faire des PDF en 4 pages, donc ça nous a pris un temps fou. Donc là, il y en a 1800 propres qu'on a donné à Carole tout à l'heure sur une clé USB, et il nous reste encore le double à faire, qui sont encore en attente dans la boîte mail à ranger. Donc près de 4000 témoignages on est à 4500 déjà de contacts enregistrés, donc pareil pour les... Alors j'imagine que c'était très varié, il y en a qui devaient être très scolaires simplement au soutien à point barre, mais j'imagine il y en a qui devaient être... Quelques phrases, on les avait classées donc, dans les pépites et dans les... on avait fait ça, donc on a d'abord traité les pépites où il y avait vraiment du texte, super émouvant. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter ce que les gens essaient de témoigner? Je sais que 1800 c'est énorme, mais vous qui avez eu les yeux dans les textes et dans l'intimité que les gens voulaient partager pour lui, qu'est-ce qui en ressort finalement? T'as de tout, hein. T'as des gens qui sont sortis de la peur grâce à Louis. Moi, celui qui m'a le plus touché, c'est le papa de Louis, qui a marqué « Je suis son père, je le connais depuis sa naissance ». Alors moi, je suis très émotive, donc il y a eu des témoignages superbes, des dessins sur les CERFA, enfin des choses très variées. Et ça serait compliqué à tout résumer là, mais c'est beau. Et pour l'organisation de cette journée, c'était quoi l'intention? Parce qu'évidemment, c'est particulier. On va distance, dire... oui. Ouais, voilà, c'est ça, parce que toi, tu es de Nice. Voilà, puis on sait qu'il y a un collectif. Voilà, ouais, le Nantes Maritime, on sait qu'il y a un gros collectif d'Infocomil qui a été très actif, qui a fait tout le temps. Et donc là, d'aider à distance, c'était quoi l'intention qu'il y avait derrière cette journée, puis la volonté de venir ici? Déjà, la volonté, c'est d'aider. J'ai proposé mon aide à Louis, donc il a dit oui de suite. Et puis c'était essayer de coordonner la journée. Donc on a mis en lien avec plusieurs personnes, avec Hélène, avec André, Jean-Pascal. Enfin, on a essayé de... En plus, on nous annonçait de la pluie, donc à distance, c'était compliqué. On a vu qu'il y avait cette espèce de hangar, donc... Voilà, on a essayé juste de coordonner la journée. On ne voulait pas non plus faire du bruit sous la tour. Donc, coordonner et essayer de rassembler les gens dans le calme et dans la bonne humeur. Merci pour ça. Est-ce que tu voudrais laisser un mot juste pour Louis face à la caméra? On est là si tu as besoin. Hein. C'est dans mon téléphone. Voilà. Et tout, plein de bonnes choses et on attend le résultat maintenant. Alors merci Louis, merci beaucoup parce que sans vous et nous tous ensemble bien sûr, mais quand même vous avez été les éléments qui nous ont permis de nous sortir de cette folie, enfin de cette angoisse surtout, parce que ça nous a donné une possibilité de penser qu'il y avait des solutions. Parce que seul dans nos coins, moi j'ai cru que j'allais mourir. Je me suis dit on va crever comme des rats et cette force qu'on a ensemble, c'est grâce à vous qu'on l'a trouvée. Merci Louis. Grand merci à Louis. Franchement, cette force qu'il nous a donnée, on a vraiment une ouverture et l'union, parce qu'il nous a aidé à s'unir, qu'on veuille tant nous désunir et nous séparer de tout ce qu'on aime. Oui, franchement,
C'est la vraie vie. Vive la vie grâce à Louis. Louis est rentré un jour dans ma cuisine, on va dire. Et en fait, il n'est jamais ressorti de ma maison. Voilà, donc je voulais lui dire un grand merci parce que grâce à lui, moi, j'ai appris plein de choses. Et puis, surtout, de rester calme et d'avoir la joie dans sa vie. Voilà, merci Louis. Louis, merci encore une fois pour... ta gentillesse, pour le respect que tu nous portes et pour ta droiture aussi. Et pour toujours aller de l'avant. Et je sais que tu as ton bâton de pèlerin à la main et que tu continueras ton chemin comme tu as décidé de le mener jusqu'à maintenant. Alors merci encore mille fois. Merci. Ben, je tenais à dire merci au docteur Louis Fouché pour tout son travail, son humanité, sa bienveillance. Voilà, son cœur, son travail et son courage. Voilà, donc, merci beaucoup.